Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les opportunités de coopération entre le Burkina et l'Organisation de la coopération islamique révisitées lors de la visite du Premier ministre Paul Kabatieba en Arabie Saoudite. L'OCI promet de renforcer son partenariat avec notre pays. Des produits avariés vendus à des élèves de Ouagadougou par des commerçants peu scrupuleux. La police municipale a saisi des boîtes de conserve et du lait qui étaient transformés en sandwichs servis pendant les récréations. Mais tout d'abord, de nouvelles nominations dans la hiérarchie militaire. Le président du Faso a signé hier 6 décrets nommant des responsables de l'armée. Ainsi, le colonel-major Léon Traoré devient chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel-major Moïse Minungu est nommé commandant du groupement central des armées. Le colonel Marie-Omer Bruno Tapsoba devient chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le colonel Souleymane Ouédraogo occupera désormais le poste de chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. L'intendant colonel-major Jean-Baptiste Parkouda est nommé directeur central de l'intendance militaire. Enfin, le colonel Salif Tenguiri est nommé directeur central du matériel de l'armée. La visite du Premier ministre en Arabie Saoudite a permis au chef du gouvernement de discuter avec des responsables d'organisations internationales. Ainsi, Paul Kabatieba a eu à Djeddah des échanges avec des hauts responsables de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Les opportunités de coopération entre le Burkina et l'OCI, organisation qui appuie notre pays à travers des financements de plusieurs projets de développement, et s'est engagée à poursuivre cette coopération. Donc l'OCI poursuivra donc cette coopération. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul David Bambara, Maxime Zongo. Membre de l'Organisation de la coopération islamique depuis 1975, le Burkina joue un rôle non moins important dans les instances de l'organisation. Par cette rencontre, le chef du gouvernement est venu renouveler l'engagement de son pays à contribuer au renforcement de l'OCI. Très honoré par cette visite. On a beaucoup de considération pour les positions de Burkina Faso par rapport aux questions du monde islamique, bien spécialement la cause palestinienne. On est toujours ravis de recevoir les grands responsables du Burkina Faso ici, un pays membre très actif à l'organisation de coopération islamique. À travers ces instituts spécialisés dont la BID, l'OCI soutient déjà le Burkina dans le financement de plusieurs projets de développement. Cette concertation pour donner davantage d'élan à une coopération pluridimensionnelle. Il y a plusieurs volets au niveau de la coopération au sein de l'OCI. Il y a les volets politiques, naturellement, il y a également les volets économiques. Alors donc, cette rencontre a été l'occasion pour nous de faire le point sur la coopération politique, mais également sur la coopération économique entre l'Organisation de la Conférence islamique et le Burkina Faso. Alors, s'agissant de la coopération économique, il y a un certain nombre de projets intégrateurs qui sont portés par l'OCI dont nous avons parlé. Mais également, s'agissant de la coopération politique, nous avons également parlé de ce qu'il y a comme initiative en cours au niveau international qui concerne les pays membres de l'OCI. L'OCI, qui est très active sur le plan diplomatique, contribue également à la résolution de nombreux conflits. Et dans cette dynamique, Paul Kabatieba a plaidé auprès de l'organisation pour un appui matériel conséquent pour la sécurisation de nos frontières afin de lutter contre le terrorisme. Les élus locaux bénéficient à Bobo-Dioulasso d'une formation sur la coopération décentralisée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local, un projet du gouvernement canadien à travers la Fédération canadienne des municipalités. Il devrait permettre d'identifier avec les maires les projets innovateurs pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes et des enfants. Reportage à Bobo-Dioulasso, Billy Dubazongo à Dissandamba. Favoriser le développement économique local et surtout durable, c'est tout l'enjeu du présent atelier. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la phase pilote du projet dénommé Partenariats municipaux pour l'innovation en développement économique local. C'est le fruit d'une coopération décentralisée entre la Fédération canadienne des municipalités et l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF.
Bien, le projet concerne le Burkina Faso, mais également ça concerne des communes au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment Korogo et Ferkessédougou, également du côté du Mali avec la commune de Sikasso et même la région de Sikasso. On va voir avec les deux municipalités, on va voir exactement c'est quoi leurs besoins. Et puis je pense que c'est pas vraiment nous à décider de Voreuil sous l'ange. On est un partenariat, on va décider tous les deux ensemble. Oui, c'est tout gagnant-gagnant. On va recevoir, puis c'est sûr et certain qu'il y a des choses que nous, on va profiter. Et pour cette phase pilote donc, ce sont les communes de Bama, de Banfora, de Bobo-Dioulasso et de Manga qui sont concernées. Banfora et Bobo-Dioulasso sont sur la composante, ce qu'on appelle le DER, le développement économique régional. Et Manga et Bama sont sur la composante DEL, c'est-à-dire le développement économique local. Alors, bien sûr, c'est une question de recherche de domaine d'action dans le domaine de l'économie locale, mais sur des projets innovants. Alors, ça devrait s'axer fondamentalement sur les projets qui concernent la jeunesse et puis les femmes. Cet atelier marque également le lancement officiel du projet. Et deux jours durant, les participants vont jeter les bases de ce partenariat, à savoir définir ensemble les objectifs communs et identifier les activités à mettre en œuvre les 5 années à venir. Clôture officielle du programme d'appui au développement du secteur privé. Après 5 années de mise en œuvre, les acteurs du programme se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire un bilan de son exécution jugée satisfaisante. Il a contribué à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en développant le secteur privé, ont-ils noté. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour des études, la formation et l'acquisition de matériel. Urbain Sommet, Maïmouna Traoré, reportage. Le département technologie alimentaire de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques a bénéficié de l'accompagnement du programme d'appui au développement du secteur privé pour financer ses activités. Au total, une dizaine d'entreprises ont bénéficié de son appui pour améliorer leurs services. Les interventions du programme ont porté sur des études, des formations, l'acquisition d'équipements de laboratoire, de matériel roulant et informatique. À l'heure du bilan, le comité de pilotage note des motifs de satisfaction. Le taux d'absorption du budget est de 88% et 94% des activités ont été réalisées. Ce sont des structures qui ont besoin effectivement de moyens d'équipement nécessaires pour accomplir effectivement donc ce travail-là. Et l'Union européenne a bien voulu mettre à notre disposition des équipements et vraiment de qualité pour accompagner. Véritablement, il y a des résultats tangibles et concrets. Le beurre de karité, le miel du Burkina Faso, on peut dire que c'est un résultat de ce projet. Le programme d'appui au développement du secteur privé a permis de combler certains besoins, mais il reste l'épineuse question du financement des entreprises. Là, le Burkina Faso peut encore compter sur l'accompagnement de l'Union européenne. Il y a un deuxième projet qui est à l'étude et qui devra comprendre une analyse précise de ce qui peut être fait pour aider le financement des entreprises petites et moyennes qui veulent se développer et qui ont besoin d'un appui des banques et d'organismes spécialisés. Le projet d'appui au développement du secteur privé a été financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e Fonds européen de développement. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Assemblée générale de l'Observatoire national du foncier hier à Ouagadougou. Rencontre destinée à faire le bilan des actions mises en œuvre l'année dernière. Le bilan est jugé satisfaisant puisque un principal acquis a été engagé. Il s'agit de l'expérimentation d'un projet pilote d'une application mobile pour la sécurisation foncière. La réunion a aussi procédé au renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Observatoire. Reportage César Carrefour, Vincent Tiendre-Beogo. Les membres de l'Observatoire national du foncier font ici le bilan de leurs actions. À cette session, il a également été question du renouvellement des instances et c'est Albert Guigman qui préside désormais le conseil d'administration de l'Observatoire. Les conclusions des travaux permettent de dire que les résultats enregistrés ont été à la hauteur des attentes. Tous les points inscrits à notre agenda ont été exécutés de manière efficace. Au titre des résultats engrangés par l'Observatoire pour remédier aux problèmes liés aux fonciers, le président se réjouit de la mise en place de l'application mobile. C'est un outil relativement simple parce que ça fonctionne
avec un téléphone Android que l'on peut coupler avec un GPS. Et par exemple, dans le cas de Boudry, en 3 ou 4 semaines, on a réussi à lever 2900 parcelles. Alors que l'agent domanial aurait eu probablement mis peut-être une dizaine d'années à faire ça. L'Observatoire national du foncier a été créé en 2014. Il a pour mission de contribuer à l'amélioration de la gouvernance foncière et permet aussi de diffuser des informations foncières en vue de faire du foncier un facteur de développement durable. Sandwich avarié pour élèves de Ouagadougou. Il a fallu la vigilance et l'intervention de la police municipale pour mettre fin à ce commerce scandaleux. Les produits mis en vente par des délinquants étaient destinés à la consommation des élèves, surtout bois de conserve et de lait, étaient transformés en sandwich et vendus dans les cours de récré sans se soucier de la santé des écoliers. César Carrefour, Vincent Tiendrebego. Des boîtes de sardines, des boîtes de lait destinés à la consommation du public burkinabé, aux élèves surtout. 2019, c'est ce qui est marqué sur ces produits comme date de péremption. Et pourtant, ces produits sont avariés. Ils ont été saisis à Ouagadougou, au marché de Bendogo, par la police municipale. Il s'agit d'un individu qui a appelé au niveau de notre poste de commandement opérationnel pour dire qu'il y a une vente massive de sardines dans un marché, notamment dans la zone de Bénogo. Donc nous avons déployé rapidement une équipe et quand ils sont arrivés, ils ont constaté vraiment l'effet ahurissant que vous constatez là. Et naturellement, ils n'avaient que le choix que de saisir. La police et la Ligue des consommateurs burkinabés appellent donc les populations à la vigilance et à la collaboration. Et c'est comme le chef de la police disait tantôt, ça là, ça va rentrer dans des sandwichs, ça va rentrer un peu partout. Et c'est des gens qui vont consommer. Dieu seul sait combien de personnes ont déjà consommé ça. Et nous, nous condamnons. Mais nous félicitons aussi nos forces de défense et de sécurité qui ont fait ce beau travail. C'est-à-dire que c'est à la population de dénoncer. Si on ne dénonce pas, on va terminer dans les tombes et ça ne serait pas intéressant. Les auteurs de ces actes ont été mis aux arrêts et la police procédera à l'incinération de ces produits impropres à la consommation. Les 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC, ont commencé à dérouler leur programme. C'est par une conférence publique sur le terrorisme que les activités ont démarré hier. Elle a été animée par plusieurs panélistes issus des médias, du Conseil supérieur de la communication et des structures de l'armée. Les élèves journalistes ont ainsi pu renforcer leurs connaissances sur le traitement de l'information dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Jean-Hugues Bayala, Mounir Akiré. Des échanges directs entre élèves journalistes et panélistes sur le traitement de l'information liée au terrorisme. Comment informer dans ce contexte sans trahir l'éthique et la déontologie de la profession? Comment traiter les questions liées au secret défense? Et comment donner l'information sans mettre en danger les personnes et les biens? Ce sont là des préoccupations adressées aux panélistes au cours de cette conférence publique. Depuis 2016, notre pays est confronté durement à cette question du terrorisme et que l'un des éléments majeurs pour gagner cette lutte-là, c'est la question de la communication. Après, les forces de défense et de sécurité ont leurs impératifs, mais nous, en tant que journalistes, nous avons notre déontologie et c'était la question de voir comment ensemble nous pouvons travailler à ce que le journaliste fasse son travail au mieux de l'information des populations, mais dans le même temps au mieux également de la survie et de la garantie de la paix et de l'intégrité de nos terroirs. Le terrorisme, c'est également une guerre de communication. Et les étudiants sont invités à toujours éviter la rumeur et la désinformation. Désormais, c'est l'extrême prudence qui doit être de rigueur dans la pratique de la profession. Mais la prudence ne devrait pas signifier la nonchalance ou l'inaction dans la pratique du métier. Donc prudence, recoupement, vérification de l'information, parce que le terrorisme touche tout le monde. Ce panel donne le ton des 72 heures de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, 72 heures qui seront marquées par des échanges avec les aînés, un tournoi interclasse et une kermesse. Les tensions ethniques se sont à nouveau manifestées en Macédoine.
Petite République des Balkans, après l'élection du président de l'Assemblée nationale, le chef de la minorité albanaise, des nationalistes de droite ont organisé une expédition punitive sur l'institution. Ils s'en sont violemment pris aux élus. Résultat, 9 personnes ont été blessées par ce raid. La Macédoine, ex-république de la Yougoslavie, vit une situation politique tendue depuis quelques mois. Devant les portes du Parlement, une foule déchaînée. Les forces de l'ordre tentent de rétablir le calme. En vain, elles sont prises à partie. Peu après, les quelques 200 militants nationalistes parviennent à leur fin. Des hommes cagoulés pénètrent dans l'enceinte du Parlement. D'autres brandissent des drapeaux de la Macédoine. Plusieurs personnes sont malmenées. Zoran Zaev, le dirigeant social-démocrate, est lui blessé au visage. Un peu plus tôt, il avait annoncé l'élection de 7 hommes à la tête du Parlement. Talat Xavier, panophone de 55 ans, le premier issu de la minorité depuis l'indépendance du pays en 1991. Cela fait plusieurs semaines que la colère gronde. Les nationalistes ne veulent pas d'une coalition regroupant les sociaux-démocrates et les représentants de la minorité albanaise. Ils y voient une atteinte à l'unité nationale du pays. Cette solution semble pourtant être la seule pour permettre la constitution d'une majorité gouvernementale. Le pays est sans réel gouvernement depuis 2015. Des élections ont bien eu lieu en décembre dernier, mais n'ont pas encore débouché sur la formation d'un gouvernement. Le report du procès du dernier gouvernement Tiao au 4 mai prochain est commenté par les journaux qui reviennent également sur la condamnation de Hissène Habré en appel hier à Dakar. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiré. Procès du gouvernement Tiao, le quotidien rappelle qu'il a été renvoyé au 4 mai 2017 sur demande du barreau et insistance des avocats qui argumentent que la nature de la haute cour fait qu'il faut éviter la précipitation. En effet, les jugements rendus par cette cour sont sans voie de recours, explique l'Express du Faso. L'observateur Palga signale que les deux Baba, à savoir Baba Diémé et Baba Ama, sont sans avocat. Question du journal, est-ce une question d'argent ou bien cela procède-t-il d'une volonté de montrer qu'ils n'ont rien à se reprocher ou encore qu'ils n'ont pas besoin d'être défendus par une tierce personne? Difficile de le savoir, répond ce journal. À voir dans Sidoya les photos des accusés présents à l'ouverture du procès, celles des absents et celles de ceux bénéficiant d'un non-lieu. Autre lieu, autre procès, celui de Hissène Habré. Les rideaux sont tombés sur 20 ans de procédure judiciaire, avec un soulagement pour les parties civiles qui ont engagé depuis des lustres un véritable marathon pour que justice soit faite, rapporte l'observateur Palga. Ce journal explique que durant l'exercice du pouvoir de Habré, sa fameuse DDS a fait 40 000 morts et d'innombrables disparus. Quant aux autres accusations, au moins, on lui aurait épargné celle infâme de viol, poursuit l'observateur Palga. Mais, remarque aujourd'hui au Faso, ni le silence théâtral de Habré, ni son comportement d'enfant capricieux n'ont servi à le disculper. Le verdict prononcé par les chambres en 2016 a donc été confirmé et Habré a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité, explique aujourd'hui au Faso. Ces chambres africaines ont relevé un défi qui mérite d'être salué, analyse aujourd'hui au Faso. Et s'il y a d'autres Hissène Habré en Afrique, qu'ils soient désormais traités comme tels, ainsi soit-il, conclut ce journal. Ainsi s'achève également ce journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.